Effectivement, quand c'est le ciel, c'est le ciel. Et quand c'est la terre, ben, c'est comme ça, quoi. Ça vous va comme... Ça va. Moi, je pense que c'est un film qui zappe tout seul. C'est-à-dire que c'est comme si on était devant un poste de télé, puis qu'on zappait comme ça. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a une cohérence, ce qui ne serait pas obligatoirement le cas si on faisait ça avec un zap devant un poste de télé. Au bout d'un moment, il y a une cohérence qui se crée comme ça, et on en sort avec une... On en sort changé. Ben, merci. Non, c'est vrai, parce que moi, j'avais passé la journée en montage. Ça m'a fait du bien de le voir. Alors... Il y a une phrase qui est très drôle dans le film, c'est qu'on vous dit au cinéma, le plus dur, c'est de porter les boîtes. C'est vrai, j'en ai pas mal porté, et à des moments, je me suis mis à la vidéo, parce que c'était moins lourd. Mmh. Oui. Alors, le film a coûté combien? Entre 3 et 6 millions, enfin, le budget qu'on doit donner à son tuteur, parce que comme vous savez, le cinéma est sous tutelle du Centre du cinéma et du ministère de la Culture, donc on doit rendre les comptes. Et je crois qu'il a dû... Les comptes finaux sont d'à peu près 6 millions. 6 millions. Ouais. Alors, c'est deux fois trop cher. Vous avez déclaré un jour dans un journal que, de toute façon, un budget comme ça, ça correspond à un salaire de 6-7 000 francs par mois, et que finalement, les gens ne devraient pas se plaindre de gagner 6-7 000 francs par mois, qu'on peut quand même se débrouiller avec ça. C'est pas tout à fait assez, non. C'est pas tout à fait assez, surtout qu'on dépense. Et je crois que si les gens pouvaient... dépasser leur temps, si on peut dire, ils auraient... Les Français essayent du reste, c'est pour ça qu'ils ont du mal vis-à-vis des Japonais et des Allemands. Ouais. Et que je respecte de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans l'industrie française qui essaye de dépasser son temps et de fabriquer une voiture trois fois plus lentement qu'un Allemand. Mmh. Alors, je trouve qu'il y a quelque chose de bien là-dedans. C'est votre côté suisse d'être devenu un bon... Vous êtes devenu un bon producteur, au niveau pognon, vous débrouillez bien maintenant, non? Bon, au sens de gentil, oui. Mmh? Ouais. Enfin, vous savez bien vendre, vous savez. Non, vous pensez pas? Je sais, j'essaie de me vendre, j'ai des difficultés. Vous arrivez à les monter, tous ces films, quand même. C'est pas d'énormes succès commerciaux, vous arrivez quand même à les monter, à les faire aboutir. C'est quand même pas rien, 6 millions. Ah non, c'est énorme. Mmh? C'est énorme. C'est énorme. J'ai découvert, j'ai mis beaucoup de temps, que le principal, c'est comme un petit entrepreneur, c'est d'arriver à gérer soi-même et d'être libre de ça. Je veux dire, je me souviens que mon père, quand on souvent, je lui demandais de l'argent, il disait « qu'est-ce que tu veux en faire ?» Mais à ce moment-là, c'était foutu. Ouais. Vous avez des problèmes avec les acteurs sur ce film ? C'est Villeray, c'est pas très bien passé. Moins, si, mais c'était beaucoup plus difficile aussi. Et souvent, les acteurs, sont à côté, ils sont là, il faut vivre aussi. Et c'est difficile d'employer quelqu'un pendant un an, quand il est... D'abord, ça finit par coûter trop cher, même 6 000 francs par mois. Et... Donc c'est difficile, c'est ce problème, effectivement, que moi je fais des romans, un bon roman, ça demande quand même 3 ou 4 ans à faire. Alors on peut pas, c'est ça la difficulté, et le charme aussi. La Vanance, ça s'est bien passé? Je l'ai trop peu utilisé, j'ai pas su. À des moments, peut-être, je me dis, je referai, mais c'est difficile, parce qu'ils sont pas disponibles. Là, vous êtes génial quand même, c'est que vous prenez les Rita Mitsuko dans votre film, et puis que la chanson, il la joue pas. Ah, moi, je trouve ça drôle, mais ça, c'est frustrant pour les gens, quand même. Je crois pas, car... On les voit la chercher, même pas. Je pense qu'on les voit l'enfanter. L'enfanter, oui. Enfanter, c'est l'amour, et eux, après, c'est le résultat. Ça m'intéresse moins aussi. Mmh. Le disque existe, pourquoi refaire ce qui existe.